فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. Bonjour, que la paix soit sur vous. C'est notre premier jour de jeûne, et le premier jour de jeûne va tout simplement exprimer le premier courage auquel nous devons nous astreindre, le courage de jeûner en fait, le courage de commencer ce mois avec tout ce que cela impose, tout ce que cela suppose, tout ce que cela requiert d'engagement pour nous quand nous nous mettons à jeûner. Nous le savons, c'est un ordre qui nous vient du divin, et pour nous, c'est comme ceci que nous devons répondre, le courage de répondre à cet ordre. Kutiba alaykum al-siyam kama kutiba al-ladina min qablikum. Il vous a été prescrit de jeûner comme cela a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Donc, cette prescription de jeûne, du jeûne, qu'est-ce qu'elle est d'abord? Est-ce que nous la comprenons dans sa profondeur? Ce courage d'aller jusqu'au fond des choses, parce qu'il peut y avoir une première compréhension, et la première compréhension, c'est, comme le font malheureusement trop parmi nous, s'arrêter de boire, s'arrêter de manger, et puis s'en tenir simplement à l'aspect formel des choses. On leur demande « qu'est-ce que tu fais quand tu jeûnes ?» Eh bien, je ne bois pas et je ne mange pas. Pourtant, le jeûne exige un autre courage. Le jeûne, si il nous est demandé de nous arrêter de boire et de manger, c'est parce que ce que nous devons faire, c'est de revenir à nous-mêmes. Le courage de l'introspection, le courage de regarder sa vie telle qu'elle doit être, le courage de comparer ce que nous devrions faire avec ce que nous faisons. C'est donc le courage de jeûner, c'est le courage du questionnement personnel, du retour à soi, de l'approfondissement de cette connaissance que l'on a de soi. Et puis, cela veut dire, dans ce cheminement-là, avoir le courage de prendre de la distance par rapport à nos habitudes, par rapport à ce que l'on dit, par rapport à notre façon de parler. C'est vraiment le courage de la maîtrise, le courage de ne pas se laisser aller et de regarder en face avec beaucoup de lucidité ce que notre vie hier fut quand nous ne jeûnions pas et ce qu'elle doit être et que doit nous apprendre le jeûne. La maîtrise de son corps, la maîtrise de sa langue, la maîtrise de ses pensées, la maîtrise de sa vie quotidienne et de ses habitudes. Pour mettre de l'ordre, en fait, jeûner, ça veut dire mettre de l'ordre. C'est se priver pour s'organiser. Et c'est le début de toutes les journées spirituelles. C'est pour ça que toutes les traditions spirituelles, toutes les religions ont reçu ce même ordre à travers les âges. Et c'est à nous de nous y mettre et de nous mettre en route par ce courage, pour ce courage, vers la réalisation de la connaissance de soi. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى